Ouais, vous me reconnaissez. Allez, top, c'est parti. Je suis, attention. Top, c'est parti. Je suis un animateur qui fait des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos sur les jeux vidéo. Je fais des vidéos sur les jeux découvertes. Je fais une chaîne comique qui s'appelle TTTTT. Je suis. Flo du métro, évidemment. Eh oui. Bon. Vous n'avez pas trouvé? Alors, c'est parti. On envoie le jeu découvert puisque c'est comme ça. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Flo du métro. Alors, on joue à Ski Park Manager 2003. Oui, je précise que c'est l'édition 2003 parce que j'ai là... J'ai oublié de brancher mon chronomètre. Oui, je précise que c'est l'édition 2003 parce que... Voilà, j'ai mis le chronomètre en route. Parce que j'ai la première édition... Voilà. Voilà, j'ai la première édition, et la première édition, elle est très dure à jouer. Quand je vous dis qu'elle est dure à jouer, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes financiers. Voilà, donc là on va jouer... avec cette édition 2003 où là il y a je dirais j'ai même pas rencontré du tout le problème financier dans cette édition là donc voilà, on va jouer sur cette édition. Alors on va faire un mode libre, on va commencer une nouvelle partie. Je sais même pas ce que j'ai choisi. Donc, cette porte-là, c'est la porte d'entrée. C'est là où vont sortir les gens, en fait, du virtuel. Donc, là, on a la montagne. Donc, si on fait ça, voilà, on a une belle vue comme ça. Donc, on va essayer de construire... Où va-t-on construire notre station de ski? Oh, il neige, que c'est beau. Donc, comme vous pouvez constater, en bas à gauche, vous avez la satisfaction des gens. Bon, là, il n'y a personne, donc, et le nombre d'entrées de personnes, 0. Trésorerie actuelle à 0, on est le 2-11-2001. Donc là, j'ai un petit problème. Et ben, on va faire une remontée là-bas. Ici, pour vous montrer un peu comment c'est. Donc là, on met construire. Remontée.
petit téléski. Oui. Attends. Deux clics pour construire. Oui. Donc là, si on clique comme ça le déplace. Et après, pour le placer, il suffit tout simplement d'appuyer comme ceci. Et ensuite, vous allez l'arriver. Qui se situe, voilà, vous pouvez le valider quand ça vous convient. Donc en quand ce plus près possible de la montagne. Voilà. Donc là on est en mode alors on va la remonter. Alors voilà, c'est le mode libre. Donc apparemment on a autant d'argent que vous. Donc là on va faire une petite piste ici. Ici, ça c'est qu'une piste bleue. C'est une descente bleue. Ouais, je pense que c'est qu'une piste bleue. Alors, on place dans bleu parce que vert c'est trop facile. Alors, pareil pour faire la piste. Donc là, il va falloir la réduire ici jusqu'ici. Voilà, parce que là il faut réduire maintenant. Pour réduire, on fait ça. Peut-être réduire encore un peu plus de l'autre côté. Un petit passage là. Voilà. Ensuite, là, on va réélargir un peu plus de chaque côté. Et on l'a fait terminer. Donc ici, d'accord, là, voilà. Alors on peut annuler le dernier piquet en appuyant sur cette touche, voilà. Et on peut rétrécir comme ceci. Ouais, si on n'est pas content de ce qu'on a fait, voilà. Comme là, je suis pas content de ce que je fais. Mais pas du tout. Donc voilà. Et ensuite, on l'a fait aller. Là, on veut qu'elle se termine. En l'occurrence, au pied du carfus. Comment on valide? Et on valide comment? Comment valide-t-on? Je sais plus comment on valide. Voilà. On s'est détruit. Renommé, un peu renommé. Je veux valider cette piste, maudit. Comment on fait pour valider? Alors là, je suis embêté. Ah, validé, voilà, c'est en haut à droite. Supprimer le dernier piquet, c'est là, et ouais. Cherche en bas. Oh là là. Bon, on va ouvrir la station, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite piste qui descend de là. Je sais pas où. Hein. Je vais remonter là-haut hein, quand même. Allez, on me fait une petite piste. Verte, oui, parfait. Allez, hop là. Et voilà. Et on valide. Allez, on va l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, voilà, on clique là. Donc, là, la remontée. On peut. Donc, les opérateurs en A0. On a tout le système. Donc, là, on va faire. On va construire un centre. L'office de tourisme déjà. Alors, l'office de tourisme. Attendez. Attendez. Est-ce que là, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire? Où vais-je faire l'office de tourisme?
Déjà, il faudrait que je rase les arbres là. Ah, il n'y a pas d'arbres. Parfait. Ah oui, on peut enlever. Il y a l'option pour enlever les arbres. C'est génial, ça, c'est parfait. Donc là, on va le mettre ici. L'office du tourisme. Voilà, on le place ici. On va le mettre à... Ah d'accord, on a le choix. Voilà, 30. Forfait semaine, on va le faire à 100. 102, d'accord. Pas de contrat, on va pas le contrarier. Alors, je veux construire maintenant. J'ai perdu. Et comment je fais? Il me faut rire. Et je me rappelle plus comment il faut faire. Alors là, on peut modifier la vitesse du tire-fesse, le nombre de places. Ah oui, pour le, il faut le fermer pour modifier. Ah bah voilà, place maxi, c'est une. Donc voilà, on l'ouvre le tire-fesse. On n'a toujours pas de client là. Non, toujours pas. Alors, le tire-fesse. Oui, il y a une belle piste à faire ici. Je voudrais construire. Il me semble que c'est. Ah, si, si. Ouh, c'était caché. Donc, construction. Cabane de pisteur. Donc, il vous faudra mettre tous les équipements. Hein. Où je vais le mettre? On va l'éloigner. Non, on va le mettre là plutôt. Voilà. Cabane de pisteur. On met la cabane de. Non, centre des opérateurs. On va mettre le centre de maintenance. Voilà, de ce côté-là. Zut. Voilà. Ensuite, on va mettre. École de ski pour qu'ils apprennent à skier quand même. Voilà. Alors donc ensuite pour le recrutement du personnel. Ah voilà, c'est ici. Faut cliquer sur le bâtiment. Donc là on va recruter du personnel. Donc pour recruter du personnel. Voilà, on clique sur la croix. Ensuite, ça c'est tâche et ça c'est base. Ok, donc là il faut cliquer sur embaucher. Il n'y a pas de bâtiment pouvant héberger ce type de personnel. Ah oui, d'accord, évidemment. Donc il faut embaucher le pisteur. Le pisteur. Voilà, il est embauché. Ah voilà. Et on lui ajoute les fonctions. Donc il va s'occuper de la piste bleue et de la piste verte. Ensuite. On va embaucher un moniteur. Voilà, école de ski, il va être rattaché, il va faire du ski. Il va faire les débutants. Ensuite, on va en embaucher un autre. École de ski, voilà, il va faire du snowboard. Et pour les débutants. Voilà, donc nous avons deux personnes embauchées. Donc là, on va embaucher un réparateur et il va réparer le tire-fesse. On n'a qu'un tire-fesse, donc là on va embaucher. Centre d'opérateur, centre opérateur. Ils vont s'occuper du tire-fesse et l'autre va s'occuper. Il peut s'occuper aussi du tire-fesse. Attendez. Ils peuvent être à deux s'occuper du tire-fesse. Oui, ils peuvent être à deux. Si on veut, on peut les mettre à deux. On va les mettre à deux, tiens. Tire-fesse. Ouais, personnel. Personnel, lui, c'est bon, lui. Voilà. Après, on peut le retirer hein, à tout moment. Voilà, donc là, nous avons notre personnel. Alors. Aussi, ils peuvent fonctionner tout seuls, hein, les
les bâtiments, hein, les remontées mécaniques, hein, sans personne. Mais par contre, ça pose des problèmes pour... Il y a du monde en fait, il y a du monde et ça gère pas. Alors, où je suis là? Ah voilà, j'étais perdu. Donc voilà, ils vont aller ici pour... Pour... Pour commencer leur travail, hein. Voilà, donc nous avons une petite piste verte là. Nous avons la première remontée. Donc maintenant, les gens. Alors les gens. Donc ici, il faudrait faire une remontée qui aille jusque là. Et on va la faire. Maintenant, on va faire un petit télésiège. Non. Pas faire un petit télésiège, j'ai pas envie. Faire un petit télésiège. J'ai pas envie de faire un petit télésiège. Donc l'orientation, vous voyez, il n'y a que en diagonale, hein, on ne peut pas faire tout droit le truc. Hein. Ou à moins que je le fasse comme ça. Quoique si je le fais aller là-haut. Est-ce qu'ils aimeraient aller là-haut les gens? Si je fais aller là. C'est trop long. On peut pas. On peut détruire. Ah voilà, on peut détruire. Tout à fait. On peut détruire le petit télésiège. Alors, on va le faire aller jusque là-haut. Jusque là-haut et après ils reprennent. Ah voilà. Donc, on va le faire aller. D'ici à là-haut. Et ben voilà, là-haut, ils sont bien, là, ils ont la piste directe. Et donc, voilà, comme ça. Donc, regardons en zoomant un peu comment est fait le télésiège. On peut voir que nous avons un petit défaut. On va embaucher quelqu'un pour s'occuper du télésiège. Vous disiez, pas. Ok. Donc, il faut construire un autre bâtiment. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser comme ça, hein, sans personne. Peut-être embaucher quelqu'un pour le réparer. Ah oui, voilà, on peut embaucher. Donc là, on peut pas. Ah si, on peut embaucher quelqu'un pour s'occuper du télésiège. Est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un d'autre pour s'occuper du télésiège? Oui, on peut. Réparer. Donc le réparateur, il est tout seul. Donc là, on a deux personnes pour s'occuper du télésiège, deux personnes pour s'occuper de l'interface aussi. Ça fait quatre personnes embauchées. Donc là, normalement, ils vont descendre en télésiège. Vu que le télésiège remonte jusque là-haut. Logiquement, c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut déplacer ça? Non, pas. Non, on peut pas le déplacer. Voilà, eux, ils vont aller au télésiège pour descendre à la station. Donc, on peut augmenter la vitesse du télésiège. Voilà, on peut le faire aller super rapidement, 4. Et on peut le faire aller super lentement. Et il était à combien? Je ne me rappelle même plus combien il était. Faire aller à 2. Ou à 1. Donc le nombre de places, on peut le changer. Regardez, vous devez d'abord fermer le télésiège si vous voulez fermer. Si vous voulez modifier le nombre de places. Que dire d'autre sur le jeu? Donc on voit les personnes. Là, c'est celles qui vont s'occuper du télésiège.
Donc, c'est qui lui? Ah, c'est le pisteur. Ensuite, nous avons réparateur et les deux qui vont s'occuper du tire-fesse. D'accord, donc nous n'avons aucune piste pour ne pas qu'ils descendent à la station. Toutes les pistes mènent à la remontée. Alors, que dire d'autre sur ce jeu? Bon, déjà, j'arrive pas à retrouver mon tire-fesse. Ah, voilà, il est là-haut. Que faire pour... Ah voilà, je sais ce qu'il faut faire. J'ai oublié de construire un truc très important. Voilà, le super labo. Alors là, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, les recherches. Donc là, on va mettre les remontées en priorité. Une fois qu'il y aura toutes les remontées, on s'occupera au reste. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça m'arrive? Je sais pas. Donc là, nous avons les bâtiments jaunes, la remontée mécanique, le télésiège qui est là, la piste verte qui est là, la tire-fesse qui est là et la piste bleue. Voilà, donc là, ça va très vite pour la recherche puisque j'ai mis au maximum d'argent. Donc là, normalement, ça va très vite la recherche. Normalement, il y a peut-être déjà... Non, pas encore. Non, je veux pas construire de tire-fesses. T'as trouvé une remontée? Non, pas encore. Moi, j'ai pris un mode libre pour vous montrer un peu ce jeu. Je voulais montrer un autre jeu, mais pour la capture, ça marche pas. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce jeu-là. Bon, je sais, il n'y a pas trop d'animation, hein. C'est marrant qu'on n'entende pas. Ah, voilà, on voit les gens sur le télésiège. Voilà. Enfin, les gens. Bon, toujours ce petit défaut. C'est qui, lui, le réparateur? Lui, c'est le pisteur. Et regardez bien le passage. Le réalisme. Je voulais juger vous-même. C'est pas... Comment expliquer ça? Ils sont pas montés ensemble, eux deux. Alors, est-ce qu'on... Regardez bien ici, ce passage-là est très intéressant. Regardez. Alors, voilà, on parlait de réalisme. Regardez la roue, elle tourne pas. Reste figée la roue, hein. Et là, il n'y a pas de câble ici qui tourne autour de la roue. Regardez bien où il va passer. Hop là, il arrive, il franchit de là, il passe directement là. Il fait pas tout le tour. Parce que la roue elle est fixe. Bon, c'est dommage que là il n'y a pas le câble qui fasse tourner la roue en fait. Ça aurait été bien de faire un... En même temps, c'était le premier jeu de ski, je crois. Il me semble que c'est le premier. Attendez, il faut que je regarde. Il faut que je vérifie si c'était le premier ou pas. J'ai l'impression que c'est le premier jeu. Alors, non, ça c'est pas le bon jeu. Il est où? Ah, il est là. Je vais reposer ici. Alors, parce que je voulais faire... Deux mille un. Celui-là, 2003. Ouais, celui-là, c'est 2003. Et la première édition. 2002.
2002, le premier que j'ai. Donc l'autre, c'est 2000. Ah ouais, bon, ben. Je pensais que c'était le premier. Non, c'est le deuxième, en fait. Le deuxième jeu de ski qu'ils ont fait. Le deuxième. Parce qu'avant, il y avait Ski Park. Ski. Zut, j'ai oublié le nom. Ski Resort Tycoon 2, voilà. Donc ils ont dû faire le 1 déjà. Ouais, ils ont dû faire le 1. Donc c'est les premiers jeux qu'ils ont fait sur le ski. Ça, c'est un autre, quelqu'un d'autre qui s'est lancé là-dedans. Bon, c'est bien pour un début. C'est bien déjà d'avoir créé ce genre de jeu, c'est qui permet de. Donc, je pensais que. Je me suis dit, quand ils ont créé ce jeu, je me suis dit, chouette, bon, il n'est pas trop bien fait encore, mais je pensais que. À l'époque, je pensais qu'il allait y avoir d'autres. Comment expliquer ça? D'autres entreprises qui allaient se lancer à faire des jeux comme de ce genre et qui allaient améliorer tous les. Qui allaient faire concurrence et améliorer tous les défauts. Mais je me suis trompé, j'ai regardé et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Non, j'ai cherché, il n'y en a pas d'autres. Malheureusement. Bon, le jeu, maintenant vous le savez, c'était Ski. Zut. J'ai oublié. Non. Ben, le jeu, j'ai dit tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Ah, il faut l'écouter, hein. Il faut écouter, hein. Alors, donc, c'est parti. On va continuer un peu cette station. Bon, là, il n'y a personne qui en fesse. Comment faire attirer du monde? Voilà. Donc on va faire attirer du gens. On va les faire chalet. On va faire un maximum de chalets. Attendez. Est-ce qu'on va faire des gens? Non. Détruire. Voilà, je veux le détruire. La revente, vos rapports. Voilà. Ah, quoique, finalement. Oui, c'est bien. Non, au contraire. On en met un. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, on en met un ici. On va mettre des bâtiments. Voilà, un petit snack. Juste pour attirer les gens, c'est tout. Juste pour montrer qu'on a mis des équipements hein, pour eux. On va tous les mettre, ces bâtiments. Voilà, de toute façon. Hein. Ils seront contents, les gens. S'ils sont pas contents, eh ben, ils sont pas contents. Voilà, donc. Ça va tirer du monde. Donc, enfin, j'espère. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des commerces. Non, commerce, c'est déjà fait. Donc, là, on a mis une maison. Ça, c'est loisir. Jardin d'enfants, ouais, s'ils ont des enfants. Comme ça, au moins, ils ont pas à s'en occuper. Hihihi. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Eh ben, je sais pas moi-même. Non, je plaisante. Alors, le centre de recherche. Et nous revoilà, donc petite coupure, comme vous avez l'habitude de le voir. Donc on va mettre, ils ont découvert un grand télésiège et un télécabine. Donc, grand télésiège grâce à un système débrayable, le départ et l'arrivée se font en douceur, ce qui permet d'être plus rapide et d'une plus grande capacité. Voilà. Pour les explications. Donc on va le faire partir. On va le faire partir. Voilà, ici. Et l'arrivée va être, disons, ici.
Si. Voilà. Alors donc, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va faire une piste qui descend comme ça. Et qui rejoint ici. Alors là, on va voir. Zoomons où il est. Voilà. Il est là. Donc c'est un télésiège à... quatre places. Donc là, on va le fermer. On peut le faire de... Alors donc de 4. 5, on peut pas. Donc 6. Maximum 6. 4, 6. Donc on va le faire à 6 places. Et regardez bien le siège maintenant. Les sièges, regardez. On va se mettre ici, comme ça. Regardez bien les sièges. Hop là! Vous avez vu un peu? Comment ils sont devenus grands? Ils sont devenus immenses, les sièges. Alors, donc, ce qu'on va faire... vitesse, regardez, on peut augmenter la vitesse si on veut. On peut le faire à la 1 aussi. Enfin, allez, hop. Voilà, donc on voit pas du tout, comme vous pouvez le remarquer, hein, c'est pareil, regardez, quand il fait pas tout le tour. Hein. Alors là, il y a un petit défaut, regardez. Là, on voit pas, il n'y a pas de roue. On voit directement les petits trous. Et là aussi. Enfin bon. Enfin bref, ou enfin bon, comme vous voulez. Donc là, en haut, à l'arrivée, c'est pareil. À l'arrivée, ouh, il est long, hein. Ouh là là. J'espère que les gens vont aimer. Voilà, regardez bien l'arrivée, comment ça se passe. Il arrive et hop, il va passer directement là. Hop là, et voilà. Et là, on voit que le cap, il va pas au bout. Bon, c'est dommage. Le tire-fesse, on entend bien le bruit du tire-fesse. Là, on l'entend plus. Et à l'arrivée, je sais pas si on l'entend. Ah oui, on l'entend aussi. Écoutez bien le bruit. Vous entendez le bruit du tire-fesse? Il fait exactement le même bruit qu'au départ. Que au départ du tire-fesse. Écoutez bien. Voilà, on entend les perches qui viennent et qui rentrent. Bon, là, on n'entend rien. C'est silencieux, un télésiège. Bon, voyons voir un peu. Donc, je n'ai personne qui est venu pour voir. Ma station. Je ne comprends pas. Attendez. Il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que j'ai tout bien fait là, en plus. J'ai tout bien fait. Normalement, j'ai des gens qui doivent venir. Enfin, c'est ce que je fais à chaque fois, j'ai des gens qui viennent. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui vient. Peut-être on va mettre un plan de la station pour les accueillir. Zut. Voilà, on va le mettre là, le plan. Et là, ah bon, non. On va mettre des toilettes, hein. Peut-être que ça va les attirer, s'il y a des toilettes. On va mettre des toilettes. Ici. Donc là, ils sont deux à organiser. Regardez, ils sont là, les deux. On va s'occuper du télésiège. Voilà.
Alors, la vitesse. Peut-être le mettre à 2. Ou 2, ça va vite hein, quand même. Ça va peut-être un petit peu trop vite là. C'est mieux. Alors, ah tiens, c'est quoi ça? Nombre de vacanciers à la station. Ça y est, il y a des vacanciers. Oh là là, c'est génial ça. Alors là. Alors, l'ours devient intéressant. Ça devient intéressant, les amis. Alors, regarde. Okay. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a 10, 12. Il y en a qui. Il y en a qui ne savent pas quoi faire. Je vais y aller. Oh non, finalement, je veux pas y aller. Alors, les vacanciers, regardez, ils arrivent. Ils vont prendre le télésiège. Voilà. Ils sont là, les vacanciers. Oh, ils sont pas contents parce qu'ils vont marcher. Et on va marcher jusqu'au télésiège. Et je suis content d'avoir des vacanciers quand même. Alors. Il a déjà ses bâtons, lui? Alors, il n'y en a pas d'autres qui arrivent, non? Pas d'autres volontaires. Ils sont contents, pas contents. Je suis content. Oh non, je suis pas content. Allez, faites moins de bruit dehors, je suis en train de faire une vidéo. Ah là là, quel manque de respect, hein. Je fais une vidéo. Et... Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? On a les réparateurs. Lui, c'est qui l'entre? Ah d'accord, c'est la piste. On va faire une piste d'ici. Ski alpin, oui. J'aime bien le ski alpin. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime le ski alpin. Donc ça sera du ski alpin. Donc là, on va faire une piste bleue. Donc voilà, on va passer par là. Hop là, là, ici. Et... Hop là. Et ben la piste verte, on la prolongera, on la fera aller là. Et voilà, bleu. Voilà. Hop là. On tourne les trous. Tac. On n'aurait même plus. On va annuler le dernier piquet. On va même la prolonger un peu. Regardez. Regardez, on va l'agrandir. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, hop, on l'a réélargi encore. Les gens, ils vont être contents. Une grande piste comme ça. Et là, hop, on rétrécit, un trou. Hop, voilà. On va jusqu'où là? Faut aller jusque là. Jusque là. Non, jusque là en bas. Ici, elle passera là. C'est une piste bleue, nous l'oublions pas. Ouais. C'est une piste bleue, donc on va la faire aller. On va la faire aller. On va la faire aller descendre déjà. On va faire passer par là. Et par là, hein, tout simplement. Voilà. Par ici. Par ici, les amis. On peut l'élargir là. Voilà, on l'élargit. Hop, voilà. Là, hop, on la rétrécit. Pour le petit passage, annule le dernier piquet, voilà. Ah ben tiens, on peut la faire aller là et là. Voilà, on la voilà, on valide et puis on fait l'autre partie. Et on peut faire en rouge l'autre. On fait une piste rouge. Rouge qui part d'ici jusqu'en bas. Voilà.
piste rouge. Et ben voilà. Il y a le choix des pistes. Donc là, ça part de là-haut pour aller là. Là, il y a vraiment le choix. Hein. Là, c'est bien desservi maintenant. Donc là, on va embaucher. Hein. Il faut que j'aille. Voilà, là, parce que je m'y connais. Ah, déjà fini. Donc là, on va faire bâtiments spéciaux. On va s'occuper de ça. Donc là, on a toutes les remontées. Télécabine, téléphérique, le dernier. Voilà, il manquait juste le téléphérique. Parce qu'on a tout le reste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là? Je veux pas du Kerfess. Donc là, c'est bon, on est à 50. Donc là, on va recruter du personnel. Donc, il va s'occuper de la piste rouge. Voilà. Donc là, on va en embaucher un autre. Voilà, centre de cabane. Et il va s'occuper de la piste bleue. Ensuite, là, c'est bon. Là, le réparateur, il va s'occuper du grand télésiège. Et c'est parti. Et ensuite, tiens, pourquoi il y a des... Ah, d'accord, il fait du damage. Il dame la piste. Attendez, là, il y a un... Ah non, attends. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce logo? Bon, c'est pas grave. Il va s'occuper grand télésiège, lui. On va en embaucher un autre qui va s'occuper du grand télésiège aussi. Donc là, ça fait deux personnes qui s'occupent du grand télésiège. Ce qui est bien. Alors, on a 28 personnes dans la station. Donc là, on est en faillite pour ce bâtiment. Et l'occupation est quand même importante. Hein. Donc là, on va mettre un deuxième. Et tout ce qu'il y a là... Oh là, j'ai fait une bêtise. Tout ce qu'il y a là, on va le raser parce qu'on va faire autre chose à la place. Parce que j'ai envie de faire autre chose. Autre chose. Autre chose. Voilà. Voilà, donc là... pas de réservation, évidemment, parce que je suis pas... On vient de le mettre. Donc l'occupation de ce télésiège... Il y en a, commence à y avoir du monde qui arrive. Regardez, il y a plein de monde qui arrive. Regardez-moi. Tous ces gens. Ah, voilà un skieur qui arrive. Il est sorti de la porte. Sexe masculin. Ça, c'est une femme. Voilà, femme. Une adolescente. Alors, ça, c'est un adulte masculin. Oh, il y a du monde qui attend ici. Oh, qui a du monde. Une femme. Ah non, un homme. Et voilà, buvette. Oh, qu'on a du monde ici. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est une femme. Sainte. Ça, c'est un mec. Ah, senior. Ah, il y a des vieux. Féminin senior. Ah, il est venu avec sa femme qui est en colère. Il va la tuer. Non. Elle va le tuer. Elle va le tuer. Tu vas pas attendre, chérie. Attends un peu, tu vois, quand je vais arriver à la baraque. Hein. Au baraque, moi, je vais te tuer. Alors, adolescente. Adolescent masculin. Ah, le rattrape. Ah, secours, elle me rattrape. Ma femme me rattrape. Au secours, aidez-moi. Elle va me tuer. j'ai du mal à faire du chasse-neige. Aidez-moi. Va-t-elle le rattraper? Alors, un adolescent. Bon, après, c'est au tour des deux opérateurs qui vont prendre le télésiège en même temps pour aller au télésiège. À 4 places.
Ah, ça y est, ma femme a doublé. Ah, attends un peu, quand tu vas arriver au baraquement, je vais t'enfermer dehors. Ça t'apprendra à pas vouloir m'attendre. J'aime bien faire un petit peu d'humour. Bien entendu, c'est de l'humour hein, que je fais, hein. Alors, ouh, il y a du monde qui arrive. Oh, un enfant qui est pas une femme. Un enfant. Un enfant qui est pas content. Une enfant, oui. Bon, enfin, on va arrêter de parler de ça parce que là, ça y est, un peu n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui s'est caché. Ah, voilà. Adolescent masculin. Bon, enfin. Alors, pourquoi personne ne prend ma piste verte là? Je fais une belle piste verte. Ah, ils n'ont pas d'équipement de ski. Mais si l'autre il a des skis, il aurait pu descendre par là. Pour après. Ah oui, il faut que je prolonge. Je prolongeais ce truc là. Cette piste, on va la prolonger. Modifier. Voilà. On va faire aller jusque là. J'y crois pas, même pas. Non, ne doute pas que. D'accord, on peut pas. Alors, ils mettent modifier. Mais si je veux modifier, c'est pour prolonger le. Non. Attendez là. C'est une blague. C'est pas possible, c'est une blague là. Non, même pas. Donc, on l'a détruit, hein. Attendez là. Ah oui, il faut la fermer d'abord pour la détruire. Ah ben, maintenant, ah peut-être qu'on peut la modifier maintenant. On la détruit. On a fait planter le jeu. Voilà, rebonjour, il y a eu un bug. Donc, à mon avis, si je reprends. Charger, reprendre la dernière partie. Ah, ça marche. À mon avis. Oh, une belle avalanche, regardez, regardez, regardez l'avalanche. J'ai cru voir quelqu'un, non, il n'y a personne. Bon, ben j'arrivais. Donc, on a vu que j'avais un problème avec une des pistes. Alors, est-ce que la piste. Ah, oui, la piste est restée. D'accord. Alors, j'ai plus personne. Le bug a retiré tous les gens qui étaient. Oh! Il a pas mis. Ah, d'accord, ça s'est enregistré tout seul sans m'afficher. Alors voyez là, il y a un peu d'herbe là. On va voir plus tard qu'on peut mettre des canons à neige. Dès que j'aurai trouvé le truc. Bon. Je me suis perdu. Voilà. Ah oui, j'ai. Alors, on enlève les arbres, on verra mieux. Donc là, il n'y a personne qui s'occupe du télésiège. C'est pour ça qu'il y a. Bon, ça c'est quoi? Gestion. D'accord. On va arrêter là.
Et on continuera la vidéo plus tard. Quoique, ce qu'on va faire, on va modifier le dernier truc que je voulais. Et après, on se quittera. Donc ça, on va le fermer pour le détruire. Voilà. Et on va créer... Alors vous voyez la croix là? Hop, ça va fermer et ouvrir la fenêtre. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. D'accord, c'est... Construire, voilà, piste. Hop, piste verte, oui, tout à fait. Donc voilà, faire partir. Chute. D'ici. Non. Retirer, voilà, ici. Voilà. Non. Je vais zoomer un peu, là. Voilà, aidez-moi. Aidez-moi, zoomer! Oh là, ça fait trop. C'est trop. C'est trop grand. Rétrécissez, s'il vous plaît. Voilà. Merci, messieurs. Voilà. Et voilà. 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 Je suis perdu. Où est la piste? On va élargir aussi par là. On peut y aller jusque loin quand même, hein, regardez. Eh ben, ma piste, elle y est pas. Elle y est pas, ma piste. Pas. Ah, ma piste y est pas. Bon. Piste bleue. J'avais fait une piste avant de... Oula, mais non. J'avais fait une piste avant que ça bug et apparemment ça ne va pas se faire. Pas grave. Faire. Refaire. Faire sur la piste verte. Ouais, là c'est bon, piste verte et hop, ça bleu un bleu. Là, on va rétrécir. Attention, ça rétrécit! Hop là, voilà. Peut-être dû rétrécir un peu aussi par là, l'autre côté. On va le rétrécir aussi de l'autre côté. Et voilà. Le tour est joué. Alors là, on pouvait agrandir. Non, là, on va rétrécir ici, regardez. Ouais, ça rétrécit, ça s'élargit l'autre. Pas trop quand même, regardez, parce qu'il y a le trou. Tac. Là, on aurait pu réélargir. Pas trop. Là, pareil. On va jusqu'où là, en fait? Ah oui, on avait dit qu'on allait par là pour... Donc voilà, par là, là. Attendez, là on aurait pu faire grand là, sur cette grande partie là. On aurait pu aller loin là. Donnant du plaisir au skieur. Ah, c'est un maxi. Ouh là là, on est allé un peu trop loin. Ici. Non, on est encore allé trop loin. Ici. Non, on est encore allé trop loin. Ici, voilà, impeccable. Et on le rétrécit. Hop, pas trop. Voilà. On rétrécit. Voilà.
D'accord, on le rétrécit alors. Et on le rétrécit de l'autre côté. Et là, on le rétrécit beaucoup. Voilà, face se rétrécit. On va y arriver, hein. Donc là, on le fait aller jusqu'au télésiège. Et voilà. Voilà, ça fait une belle piste. Donc, on va se laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert. Donc là, on a... Ah, on avait fini, oui. Donc là, on va mettre ça en route pour la prochaine fois. Un peu plus, d'accord. Comme on l'a mis à fond. Donc là, on voit toujours que j'ai toujours pas fait de piste de ce côté-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine fois, on s'occupera des autres détails. Merci à tous. Ah, ça y est, les clients arrivent. Les clients arrivent, c'est chouette. Alors, trois personnes qui arrivent. C'est où? Je me suis perdu. C'est là. Chut. Ils sont où? À bientôt. Au revoir pour la prochaine vidéo. Comment on fait pour quitter? Comment on quitte le jeu? Chut, il faut sauvegarder déjà. Sauvegarder, je crois que c'est là. Sauver, voilà. On va appeler Flow du métro. Flow du métro début. Voilà. Et voilà. Au revoir, à bientôt.